Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 193 de Stage One et nous allons jouer aujourd'hui à... Ta-da-da-da, Subject 13, sujet 13. Alors, peut-être que ça se joue à la manette, je sais pas, j'ai vu ma manette réagir, mais j'ai pas l'impression, en fait, hein, du coup, voilà. Profil 1, alors je sais pas ce que c'est le style de jeu, en tout cas, ça fait buzz, ça. Ça bouge le décor autour. Est-ce que... Alors, option langue français... Ah, c'est en français, donc ça, c'est bien. La meilleure qualité possible. Nouvelle expérience. Voilà, sujet 13. En même temps. Mais de quel genre de jeu allons-nous tomber? Microïds. Je vois souvent passer Microïds. Oh putain, j'ai craqué. Alors, une voiture qui se tombe dans l'eau. Un médaillon. J'arrive ma souris, c'est de la merde. Désolé, j'ai la voix toute pétée. Un mec qui se noie. Qui disparaît. Sujet 13. Je vais monter un peu le son sur moi. J'entends pas beaucoup. Alors, un icône d'ADN qui tourne en guise de chargement. Ça s'annonce un bon jeu, aussi bien c'est un mauvais jeu, mais... Welcome, Subject 13. Ne vous inquiétez pas, vous m'entendez, mais vous ne me voyez pas, c'est tout à fait normal. Comment vous sentez-vous? Suis-je mort? Pas terrible. Est-ce que je suis mort? Non, vous avez enfin un voyage. De quel voyage vous parlez? Nous verrons ça plus tard, racontez-moi votre dernier souvenir. Je sais pas. Pourtant quelque chose me dit que vous avez frôlé la mort. Toutes ces questions sur moi, est-ce que l'on se connaît? Oui et non. Mais ça n'a pas d'importance. Passons plutôt au test psychomoteur. Ok. Oh putain, avec le bouton droit de la souris pour regarder autour. Ok. 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 Pas d'effet, la console n'est pas allumée. Je peux regarder autour de moi, c'est plutôt pas mal. Ok, tranquille. Il faut un code, mais où vais-je trouver ça? Gauche appuyer, sélectionner la loupe. Où vais-je trouver le code? Ok! Eh ben, c'est un jeu de réflexion. Ah putain. 03 99 19 12. Ah d'accord, c'est pour choisir son personnage, j'imagine. C'est vachement ludique, tout ce truc. Ah, former une équipe. Qu'attendez-vous de moi? Ah ouais, du calme, vous êtes dans votre cerveau. Arrêtez de m'appeler comme ça, j'ai un nom, Franklin Fargo. Les noms n'ont plus aucun sens, sujet 13. Ouh, mais ce serait pas du point and click tout ça? Ah, c'est du
Point and click. Ah, c'est pas possible. Ah, ça va juste pas être possible. Ce moniteur a l'air hors service. Cette console permet de contrôler la machine. Ok, on attend, on ressort. Qu'est-ce que c'est que ça? Une lettre. Qu'on regarde. On va regarder à l'intérieur. Ah, c'est du point and click. Comment c'est pas intéressant comme jeu. Yop. Yop. Et on va choisir ramasser. Clac. Oh, les ombres sont super mal faites. Pour examiner la carte, ouvrir l'inventaire. Carte. Oh, une clé. Génial. Ce bouton sortie permet de revenir en arrière. Un nouveau témoignage. Ah mon dieu, comment ce jeu m'intéresse absolument pas. Ah mon dieu, alors il me faut une clé pour faire quoi? Allez, on va là-bas avec le bonhomme. Je peux glisser, déposer la clé là. Clac. Ah mon dieu, il faut un autre code. C'était facile. Ah mon dieu. Non. Ouais. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Cette porte est blindée. Cette porte est verrouillée, et ben c'est bien. Et ben c'est bien. Moniteur hors service. De gros tuyaux alimentent la machine. Cette console, blablabla. Cet appareil sert à refroidir l'installation. Et eh ben c'est vachement bien, dis donc. Alors soit j'ai raté une étape. J'aurais peut-être dû lire ce qu'il me disait. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Appuyer sur un bouton permet de l'allumer. Et bah c'est bien. C'est bien, c'est bien. Avec un peu de chance, je vais tomber sur la bonne combinaison. Étant donné qu'on n'a pas le droit de faire 3...
Je me dis qu'à force, je vais tomber dessus. Non, en fait, je pense que je tomberai jamais dessus. Alors, eh ben, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce jeu. Je m'étais promis de pas faire les point and click dans mes vidéos parce que je trouvais que ça n'avait absolument aucun intérêt. Et je le pense toujours aujourd'hui. C'est nul. C'est vraiment très 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 nul. Mais quelque chose de correct, hein. Je vous dis, je me fous pas de votre gueule, hein. Ça n'a pas d'intérêt. Qu'est-ce que... Voilà, c'est... On clique, il y a des mystères, on découvre des choses. C'est toujours la même chose. On est toujours sur les mêmes trames. C'est juste pas les mêmes histoires, mais c'est toujours la même façon de voir les choses. Des énigmes, des trucs à résoudre, casse-tête qui prennent la tête pendant 2 heures. Pour au final, pas d'action. C'est lent. Il n'y a pas de musique. C'est mou. C'est, je sais pas, c'est de la merde. Je vous dis le fond de ma pensée, hein. Clairement, après, rien n'empêche une personne d'aimer ce genre de jeu. Personnellement, je préférais autant m'enfiler mon portable, prendre mon portable, enlever tous les composants, me les mettre un à un dans le cul. Je suis sûr que ce serait beaucoup plus intéressant et que ça apporterait beaucoup plus de choses au monde que de jouer à ce genre de jeu, enfin au monde, ou en tout cas à ma vie plutôt. C'est... Y a rien, y a rien. J'ai même pas envie de chercher, qu'est-ce que ça me fout? À quoi ça va se servir? Y a pas de... On n'est pas revalorisé quand on joue à ce jeu, on sait pas... Y a rien, y a pas de succès, ni... Je suis désolé, hein. Je suis désolé, ça fait 2 jours que j'enchaîne les vidéos chantes entre le taureau et le... Et ça, quoi. Ah mon dieu, j'aurais dû vérifier. Alors, en général, quand je les télécharge, les jeux, je vérifie juste que c'est pas des point and click. Là, j'ai pas dû voir. Mais ça pue le point and click à 40 km, quoi. Il doit y avoir marqué ça dans la catégorie. J'ai pas dû faire attention. Donc, la prochaine fois, je me ferai pas avoir, je ne le téléchargerai pas. Et bah, je ne le prendrai pas non plus, d'ailleurs, parce que ça sert à rien, quoi. Dépenser des sous pour ça. Ok, c'est joli. Allez, on va parler. Alors, bon côté, c'est joli. Ça. C'est un jeu qui a une durée de vie, j'imagine, qui est à peu près longue. En tout cas, qui a le mérite de faire réfléchir, mais putain, à quoi ça sert? On veut s'amuser, ça n'est pas. Voilà. Bon, allez. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Désolé pour ce jeu. J'espère que, bah, que ça vous aura apporté le fait de savoir que c'est un jeu point and click. Et qu'il faut réfléchir à sa race, quoi. Donc, il y en a qui aiment, je veux pas leur retirer ça. Là, il y a une histoire, il y a quelque chose à faire, mais ça m'intéresse pas. Et puis en plus, putain, c'est bah, c'est vachement. Enfin, c'est. Voilà. Qu'est-ce que. Je n'ai pas envie de jouer ça. Désolé. Voilà, il y a des trucs là, je peux pas. Ça, je peux pas. C'est. Allez, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Sûrement quelque chose de beaucoup plus intéressant. Ça, je vais m'en assurer. Je vais faire bien attention. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo Stage One. Salut!